Ouais. Okay. Ça ne m'inspire rien qui vaille. En douceur. En douceur. Oh mon Dieu. Ces cadavres. Je connais ces gens. J'ai servi à leur côté. C'est quoi cet endroit? Bon, ça suffit. Plus jamais je n'irai en montagne. On dirait un genre de chambre funéraire, mais... Certains de ces soldats sont tombés en combattant les orques, mais on n'a jamais retrouvé leur corps. J'ignore comment ils ont fini ici. Mais... Pourquoi déplacer des cadavres jusqu'ici, en fait? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ce qui se dégage de cet endroit. Tu sais, la façon dont ces corps sont disposés me rappelle des diagrammes vus dans des écrits nécromantiques. C'est-à-dire? Je suis d'accord. Et je veux savoir qui a fait ça et pourquoi. Je suis prêt à me battre. On pourrait ajouter quelques cadavres d'orques à la pile. D'abord des orques assoiffés de sang, maintenant des souterrains bourrés de cadavres. De mieux en mieux. C'est beaucoup trop étrange. Ça me glace le sang. Non, une épée courte. Pas utile. Bon, qu'est-ce que cache cette porte? Ah, j'espère que derrière cette porte ne se cache pas quelque chose d'horrible. Et je n'aimerais vraiment pas. Non, encore plus de couloirs. Ah. Il y a quelque chose ici, je ne sais pas, des amas de pierre et là, une sorte de puits. Oh, des zombies, nom de Dieu. Des zombies. Des freaking zombies. Ah merde, ils m'ont vu. Attention à vous, les gars. Attention à vous, les zombies, c'est dangereux. Oh! J'avais oublié que c'était un paladin. Oh! Tu as des sorts incroyables, bénédiction d'armes et faveur divine. Oh! Très très intéressant, je ne savais pas que tu me cachais ça. Mais s'il y a des zombies ici, c'est que Oui. quelque chose ou quelqu'un les a invoqués. Et en général, les seules personnes qui peuvent faire ça sont soit des magiciens pas très recommandables, Qu'est-ce qui se passe? soit des gens possédant des ouvrages interdits. Oui. Et dans les deux cas, ça ne me plaît guère. En tout cas, Kazavir, bravo. Tu nous as sauvé la mise. Il est important de te dire merci. Qu'est-ce qu'on a ici? La lave, mais il y avait autre chose, une porte juste derrière. Il y a quelque chose ici qui ne me plaît pas. Ça, c'est étrange. Aïe aïe aïe. À l'attaque. À l'attaque. Alerte. Mais chopez-le! Un bracelet, des... il y en a un autre? Oui, il y en a un autre. Semble-t-il, ouais. Je ne l'avais pas vu, les os. C'est bon. Merci, mon grand. Vengeance des abysses.
Qu'est-ce que j'ai récupéré? Bracelet d'archer. Oh, dextérité plus 1. Don supplémentaire tir à bout portant. Ça, si ce n'est pas des invocations de zombies ou d'autres choses pas très sympas, je ne sais pas ce que c'est. Et je n'ai pas envie de savoir ce que c'est pour le moment. Ça me fait beaucoup trop peur. Qu'est-ce qui se passe? Bien, là il y a quelque chose et je n'aime pas ce que ça va être. Une autre salle. Avec des squelettes, des zombies et plein de choses horribles. Voilà, toi, tu peux faire quelque chose, hein. Ces zombies résistent. C'est bon, on veut débrouiller les gars? Bon, ils se débrouillent. Il y a plein de zombies partout. Oui, des zombies partout. Je ne sais pas ce qui se trame ici, mais ça ne me plaît pas. Et ça ne me plaît pas du tout. Bien. Bonne chose de faite. Rechargeons les sorts et retournons là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, c'est pareil, il va y avoir quelques forces occultes. Kelgar, tu reprends le devant et on y va. Squelette zombie, squelette, squelette, ok, très bien, on n'a pas encore vu. Oui, tu vas ouvrir la route, tu vas même faire mieux. Premier sort, c'est toi qui le gagne. Voilà, ici. Ouh! Alors là, c'était bien calculé. C'était même trop bien calculé. Je suis très content d'avoir calculé ça. Je sais pas comment j'ai fait, mais... pas mal. Code de maille, non. Fouillons cet endroit avant de continuer un peu plus. Côte de squelette, toujours utile. Ah, évidemment, un piège. Je m'en doutais. Ici, rien du tout. Un râtelier d'armes. Voyons voir. Shuriken, grande hache, épée courte. Non, pas intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? C'est que ça, une sorte de cuisine, un endroit pour se repaître, des outils de voleur, alexandrite, quelques éléments toujours utiles. Bien, 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 bien. Bon, Kara, t'es trop forte, hein, ça c'est sûr et certain. Petite save, encore une fois. Je pense qu'on arrive à la fin de cet endroit, du repère arrache-œil. Suivez-moi. J'ai pas accédé à cet endroit, moi. Bah. J'ai oublié un endroit. Ah, attendez. J'ai oublié un endroit, là. J'ai oublié un endroit. Ah oui, j'avais oublié une porte. Bon. Je pense que si j'y vais... Ah, pour un coffre. Ah, pour un coffre. Ah, non. Ah, ça me... Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis, j'aurais pas fait toute cette zone.
Et bon, là, ce couloir ne m'indique rien de bon. Ouais. Oula. J'ouvre la route. Ça, si c'est un piège, c'est un piège de très loin, ça. Ouais, c'est un piège. Je le sens d'ici que c'est un piège. Oui. Will, que fais-tu ici? C'est qui? Au secours! Qui c'est? Il était élève en même temps que moi à l'académie. L'un des rares que j'aimais bien. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'ai mal! Si mal! Aide-moi! Je t'en prie! Oh, oh, oh là là! Vadim, Kerim, qu'est-ce que cette chose vous a fait? Ah, I sensed strong magic. Ah merde, c'est l'anglais. You, girl, will make an excellent gift for my master. Non merci, sans façon. Ces étudiants, que leur avez-vous fait? I have granted them eternal life and power. They cannot die, yet they retain their skills in the arcane arts. You, however, will outshine them both. You are strong. I can feel the power burning within you. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Few who are granted eternal life retain their mastery over magic. Even these two, strong as they were, lost much of their power. This girl you have brought me, however, she is strong, very strong. She will retain much of her power, enough to lead an army. La vie éternelle, hein? Allons, allons. Si j'avais voulu devenir un zombie, je serais resté à l'académie. Seize her. Destroy her companions, but she must not be harmed. Ah mince, la bagarre. La bagarre, les gars, la bagarre. Hein. J'ai dit la bagarre. J'ai dit la bagarre, Emma. Pourquoi on m'écoute pas quand je dis la bagarre, moi? La bagarre, oh! Super, bah elle est morte, tout le monde va crever, génial. Attends, heureusement que j'ai debout, hein, moi, dans mon équipe. Allez, le prêtre de l'ombre, déjà, ce sera pas mal. Ensuite, toi. Heureusement que j'ai des bourrins dans mon équipe. Oui, bah Kara, servi à rien du tout, tu le sais. Et ça me déçoit. Bon, on va parler à lui quand même. Histoire d'au moins faire quelque chose. Oui. Oui. D'accord. Ouais. La TP sauvage, merci, mais non merci, la prochaine fois, tu fais gaffe. Je prends tous les parchemins aussi. Morgenstern, ah, j'aimerais bien l'apprendre. Évidemment. Rondage et les flèches, je m'en fiche. Et la potion aussi. Je suis trop chargé. Tout ça parce que je veux garder une Morgenstern plus de 1 des 8. Et moi, je suis à combien avec la mienne? Ouais, bah nul en fait. Bon. Il y a une porte là qui m'intrigue. Je vais l'ouvrir. Oui. Oui. Oh bah. Izani, mon pote. Qui êtes-vous? Comme l'a dit notre chef, nous sommes ici pour vous aider. L'émissaire d'eau profonde, le voilà, enfin. Comment savoir si vous mentez ou non? Mes révélations ont été très minutieux durant mes interrogatoires. Ils m'ont pris beaucoup de notes. Leurs propos mots devraient peut-être convaincre que... Ok. Ok, très bien. Sur les 132. Ok. Eh bah merde, le voilà. Oh bah. Bon, par contre, lui, il est en train de mourir. Je suis désolé, mais il est en train de mourir, ton pote.
Ça me fait mal, mais il va mourir. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est... Oh. Coffre du Qu'est-ce qui se passe? prêtre. Ouais. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Suivez-moi! Ah, ce voilà qui est très étrange. Encore des cadavres. Un journal, des gantelets. Un journal. Mes expériences progressent, mais la ponction dans les forces vitales du sujet est extrême. Il doit nous manquer une partie de l'énigme. Peut-être me faut-il trouver un sujet plus puissant. Les mages de Palyver nous ont prouvé que la réussite est à notre portée. Je vais poursuivre mes expériences sur les cadavres que m'ont apportés mes serviteurs. Il y a d'autres points à éclaircir tout en cherchant le sujet qui aurait la puissance brute requise. D'accord. Une table d'alchimie, une épée bâtarde. Non. Quoique. Oui, je Chargé pour sais. bouger. J'ai rien pour faire de l'alchimie. Est-ce que cette épée bâtarde de plus 1? Donc, pas ouf, pas ouf. Est utile? Non. Casavir peut pas utiliser. L'épée bâtarde? Non, il peut pas l'utiliser. Bon, bah, au revoir l'épée bâtarde. Ça, tiens. Oh oh! Ah, transition vers la Suivez-moi. carte. Ça veut dire que nous en avons terminé. Avant ça, une petite sauvegarde et nous allons partir vers le fond à l'effraie. Et ben finalement, on a terminé cette petite zone. Eh bien, allons-y. Retournons vers le fond à l'effraie. Ah, nous y voici. Mes compagnons veulent toujours pas me suivre, mais ça, à la limite, c'est même plus un problème. C'est juste ennuyant. Contentez-vous de suivre. Suivez-moi. Calme. Ah, vous voilà. L'émissaire d'eau profonde est arrivé il y a peu, sain et sauf. Bon travail. Il ne m'a épargné aucun détail de ce sauvetage héroïque. Il n'a cessé de chanter vos louanges. J'aimerais entendre votre version de l'histoire. Ah, vous avez rapporté la bannière de l'Ogre Arracheuil. Cela explique pourquoi les attaques des orques ont cessé. Sans chef, ils vont très certainement s'entretuer. Très bien, c'est une bonne chose que tout soit bien passé. Au fait, est-ce qu'une certaine Catriona est venue ici? Effectivement, et elle affirme appartenir à l'armée qui harcèle les orques. Elle est ici même, au campement, avec quelques hommes à elle. C'est son chef que j'attendais, et je vois qu'il est avec vous. Salut à toi, Kassavir. Calum, content de te voir en un seul morceau. Oh, vous connaissez? Oui, Calum est au service de Palyver. Je le fus aussi, jadis. J'imagine que c'est toi qui menais ces assauts répétés contre les orques. Je te dois une fière chandelle. Maintenant que je sais qui menait cette bande de mercenaires, je comprends pourquoi il a été si difficile de prendre contact. Kassavir, tu m'as mis dans une situation difficile. Ton départ fut soudain et, au dire de certains, déloyal envers Palyver. Allons, quels que soient les ennuis, il nous a aidés et il vous a aidés. Ce n'est pas à vous de me défendre, mais merci quand même. Il ne lui sera fait aucun mal, je vous l'assure. Mon rapport stipulera que les Grimentels ont tenu les orques en échec le temps nécessaire pour que vous fassiez tomber l'Ogran. Cela devrait convaincre le Conseil que son or a été bien dépensé et vous attirer ses bonnes grâces par la même occasion. Quant à Kassavir, officiellement, il n'a jamais été là. Les raisons de vos allers-retours au fond à l'effraie ne regardent que vous. C'est une excellente chose. Eh bien, très bien. L'émissaire est désormais sous ma protection. J'enverrai mes meilleurs soldats l'escorter. Vous avez déjà pris beaucoup de risques pour lui. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous avez fait plus que votre part ici. J'ai pris la liberté de réunir une prime pour vous. Voyez ça comme un don du conseil. Vous avez ma gratitude pour tout ce que vous avez fait ici. Et gardez un œil sur Kassavir, voulez-vous? J'espère que vous pourrez l'aider. Bon, je retourne au travail. Content de t'avoir revu, Kassavir. Et bonne chance. Hein? Va donc voir ton amie Catriona si ce n'est déjà fait. Je pense qu'elle appréciera de te revoir en bonne forme. Je suis trop chargé pour bouger! Qu'est-ce que j'ai gagné? Une grande hache, mais les gars, j'en veux pas. Grande hache.
plus de rédemption de Ré. Ouais. Pardon. Oh là là. 1 des 12 x 3. Bonus aux dégâts versus mauvaise, mauvaise foi. Oh là là, mais quel gars. Quel gars qui va devenir le pur tank. On va aller parler à 4... 4 Oana. J'ai n'importe quoi. Où est-elle, cette chère 4... 4... Je sais même plus comment elle s'appelle. Au secours, je sais même plus comment elle s'appelle. Bref, allons la voir, si je la retrouve, dans tous ces gens. Dans tout le monde, en fait. Et puis, je... Ah bah voilà, elle était à côté. Pardon, excusez-moi. Kazavir, quelle joie de vous revoir. On dit que vous avez trouvé l'ogramme ? Effectivement. Content que vous ayez pu venir ici pour avertir Kalom. Si nous avions échoué, rien n'aurait empêché l'ogramme et les tribus de reprendre cet endroit. Y a-t-il de nouveaux ordres ? Même si les tribus sont en pleine débandade, on pourrait aider les Grimantels tous les deux. Vous comptez rejoindre vos hommes ? Non, les orques ne tiennent plus le fond à l'effraie. Il est à disposition des gens d'ici, pas seulement des caravanes marchandes venues de pas d'hiver. Alors, Kazavir, vous allez repartir comme vous êtes venu. Et moi, dans tout ça. Allons, allons, allons. Allez, c'est toi qui décides. Ou tu peux rester. Il est peut-être temps pour moi de trouver un défi plus ambitieux. Ces orques sont robustes, mais ma foi, je crois qu'il me faut un changement de décor. Il se trouvera peut-être un noble à pas d'hiver ayant besoin d'une bonne lame à son service. Eh bien, bonne chance à vous. Elle est très capable. Je n'aurais pas pu tomber sur meilleur sergent. L'autre fois. Pour l'instant, je compte rester ici. Ils auront peut-être besoin de moi d'ici à ce que je me décide à partir pour pas d'hiver. Dans quelques temps, si vous avez besoin d'aide, venez me voir. Nous trouverons un arrangement. C'est très sympa. Et du coup, si je te parle maintenant... Ma foi, je crois qu'il me faut un changement de... Elle est très capable. Pour l'instant, si vous avez... Ok, bon bah c'est tout bon. Eh bah écoutez, c'est parfait. Moi je peux m'arrêter pour cette petite session où on aura quand même bien avancé. Il faudra donc que la prochaine fois, on retourne à Pas d'Hiver pour lui annoncer la victoire et enfin peut-être aller au quartier de Lac Noir. C'est ce que je recherche depuis le début. Eh bah écoutez, mesdames, messieurs, c'est la fin de toute cette session. Je sais pas comment je vais monter, comme d'hab, mais c'est pas grave. En tout cas, on se retrouvera très vite pour la suite de Neverwinter Nights. N'oubliez pas tout ce qui est like, commentaire et de vous abonner pour ne pas rater la suite. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.